Voici ma stratégie pour identifier des divergences RSI. Alors, c'est ultra important que lorsque vous utilisez votre RSI pour chercher une divergence, vous devez chercher cela sur des zones extrêmes. Donc, là par exemple, comme vous pouvez le voir, sur ce creux ici, sur cette cassure, on voit sur la zone extrême une belle divergence 4 heures. Deuxième point important, on doit avoir un creux au-dessus du précédent sur le RSI, comme vous pouvez le voir. Le mieux c'est de dessiner une ligne comme je viens de faire. Derrière, on est obligé de prendre les clôture sur le prix. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien un creux en dessous du précédent. Et donc, on voit bien cet effet de divergence. Si vous suivez bien, ici, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Voilà ma stratégie pour définir une divergence. Le jeu est quasiment le même pour une divergence baissière. Suis-moi pour plus de tutos.